أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Vous êtes venus de France, le pays de Satan, où il y a les conneries partout. Il y a le désir, la consommation, le plaisir. Où il y a les voitures décapotables, les filles aux mini-jupes, le pays de Satan, le Satan. Vous êtes ici pour comprendre le vrai islam qui n'achète pas dans une épicerie. Je vous donne la crêpe de l'islam, la crêpe. Et je ferai de vous, Inch'Allah, des vrais défendeurs de l'islam. Inch'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Comment tu t'appelles? Pourquoi tu es ici? Je m'appelle Kenza. Et si je suis venue, c'est parce qu'en France, j'ai commis trop de péchés. Trop de péchés? Oui. J'aimerais devenir, Inch'Allah, une vraie bonne musulmane. Une vraie musulmane. Et me marier. Ma marée, hein, se laver de tes péchés. Parce que tu as fait beaucoup de péchés, hein, en France, hein, hein. Regarde dans mes yeux. Tu as fait beaucoup de péchés, il faut se laver de tes conneries que tu as fait déjà, hein, hein. 500 dirhams par jour, dégage. Et toi? Moi j'ai fait des petites bêtises. Des petites bêtises, des petites bêtises. Petite bêtise, hein? Violencer les gens, attaquer les gens, hein? Hein? Fume de la drogue, vendre le hashish, hein? Hein? Frotter les filles, hein? C'est ça des petites conneries, des petites conneries, hein? 500 dirhams par jour, dégage! Et toi? Moi j'ai jamais fait de bêtises et j'ai jamais commis de péché. Et je suis venu pour améliorer mon islam en fait. Mon islam, comment tu t'appelles? Je m'appelle Rémi, Rémi Dupré. 1000 dirhams par jour. Dégage. Mais j'ai pourquoi? Ah, dégage, dégage. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi, qu'est-ce que je fais là? Je sais pas, c'est pas une école mixte. Ah, parce que Zahama, c'est toi le prof, c'est ton école. Pourquoi tu parles comme ça? Je te manque de respect. Alors, Mbal. Zahama. Excuse-moi. Tu vois ce qu'il t'a dit là? C'est vrai, tu vois, il a raison. Dans une école islamique, il n'y a pas de mixité. Pourquoi tu me parles alors? On va parler à ta mère.